Moi, j'ai bien aimé éprouver l'injustice. Tu as su placer des auteurs, des philosophes. Oui. Au lycée Joconde de Casabianca Bastia, Nicolas et Emma ont été parmi les premiers à sortir de l'épreuve de philosophie. Les deux élèves de terminale S ont opté pour la dissertation, intitulée « Éprouver l'injustice, est-ce nécessaire pour savoir ce qui est juste ?» Moi, j'ai dit d'abord que oui, après que non. Et à la fin, j'ai dit que c'était difficile de déterminer ce qui était réellement la justice et l'injustice. Et donc que l'État était là pour nous aider. Et c'était pas un sujet que j'affectionnais particulièrement, mais ça va, je me suis sorti. Si dans les filières scientifiques on est plutôt confiant, dans les classes littéraires, l'enjeu est très important. Et pour cause en L, la philo, c'est coefficient 7. Certains ont donc préféré jouer la sécurité avec l'explication de texte. Pas forcément facile, puisque cette année on planchait sur du Schopenhauer. Et j'ai dit que bon, tout était lié à l'inconscient, à la conscience, que les désirs et... J'ai sorti quoi? Les désirs et les craintes, c'était lié à l'inconscient. Après, je sais plus trop ce que j'ai mis. J'ai fait 5 pages où j'ai dit la même chose. On verra. Du suspense, mais pas de surprise. Les sujets de l'année sont restés très classiques, voire un peu plan-plan selon certains profs. Pas de quoi cependant remettre en cause la sacro-sainte épreuve de philo, l'un des piliers de l'enseignement en France. La philo, elle est plus utile que jamais, je pense même que c'est la base. Je ne veux pas faire de chauvinisme de matière, mais je pense que beaucoup de choses sont parties d'une réflexion, tout part d'une réflexion. Si on ne s'assoit pas à un moment donné pour chercher à comprendre, eh bien c'est même la fin du progrès scientifique et de tout progrès technique, je pense. Après la philo, les épreuves se poursuivent jusqu'au 25 juin. Demain, c'est sur le sujet d'histoire et de géographie que se pencheront les quelques 2798 candidats qui présentent l'examen dans l'Académie de Corse.